dire l'Afrique est fière de toi. Là, je ne sais pas en Côte d'Ivoire, mais l'Afrique debout est fière de toi, de ce que tu as fait. Je te remercie pour ça. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui te remercient pour ça. D'ailleurs, il y a des gens qui ont dit si nous avons des détails, il faut que nous regardions sociologiquement, psychologiquement, peut-être même neurologiquement, nous testons notre cerveau, mais là, moi, c'est nec. Parce que nous avons faible, quoi. Nous avons faible. Vous savez le retard de l'Afrique. Ce sont ces présidents qui sont restés 20 ans, 30 ans au pouvoir. Vous savez maintenant physiquement, psychiquement, avec le monde. Et ils ont retardé le développement de l'Afrique sur 30 ans. Paul Biya, plus de 37 ans. Paul Biya. Il suffit juste de Idriss voir. Idriss Déby, ces gens-là qui le sont... Ce que vous savez, l'État, si vous êtes président, vous savez que 2 ans, 3 ans, 2 ans, vous ne savez pas le président de la République. C'est normal. Après, vous savez, les bonnes années, les mauvaises années. C'est-à-dire, vous finalement, tu ne reproduis que le même geste et immuablement. C'est le même geste que tu reproduis. Senghor Yangor Senghor. Senghor, quand il quittait en 81, il disait qu'à 74 ans, là, il disait, ça c'est un grand qui me le rappelait, tout à l'heure manquait une autre. Un président de la République, c'est à peu près 17 heures de travail par jour. À 74 ans, ce n'est pas possible. Ça dit humainement, quoi, ce n'est pas possible. Donc qu'est-ce qui fait courir? Qu'est-ce qui fait courir ces gens-là? Il y a des enjeux de l'Afrique. Il faut que nous croyons comme Baha, tout Babi. C'est une situation. Ils ont besoin d'une Afrique aux ordres. Ils ne peuvent pas faire avec de véritables démocrates révolutionnaires. Ce n'est pas possible. Ils ne peuvent pas le faire. Une Afrique qui évolue. Des jeunes qui prennent le pays avec des projets africains. On est là. Non. Le monde là, on n'a pas besoin de ces Africains-là. On a besoin des Africains aux ordres. Et ils vont créer toutes les conditions nécessaires pour que vous mettez. Maintenant, là, ils ont leurs hommes, qu'ils connaissent bien, qu'ils ont formatés. Parce que quoi qu'on dise. Les Africains de service. Ce sont les Africains de service. Les mecs de service. C'est malheureux. Et ça, c'est une réalité. Obama, on dirait qu'il a 20 ans de plus que moi. Moi, je suis un homme de Kamantin, de Kayen, de Wertal, de Gaïfi, de Amirambo, comme je ne sais quoi, en bon point. Non, attends, regardons. Ce n'est pas le même stress. Pédicure, manicure, rectangle. Pédicure, manicure, et affaire de maintenant, il n'y a pas de stress. Donc, les Ivoiriens, à qui, bon, ils décident, ils sont folles. Mais par rapport à Nyun... Nous, on n'a pas encore parlé. Hein, oh. Par rapport à Nyun... Mais l'affaire avec Mamadou Diakhal. Il y a eu une confiscation en 2016. Mais quand le Conseil constitutionnel décide que le peuple n'est pas au-dessus de la Constitution et qu'il appartient au Conseil constitutionnel de trancher une question qui revient au peuple de trancher. Oui, le référendum. Le peuple est toujours au-dessus de la Constitution. Et ça commence par notre Constitution. Le peuple est au-dessus de la Constitution. Il n'appartient pas à un conseil constitutionnel de décider qu'il faut enlever les 7 ans et 5 ans. Le peuple du Moka aurait décidé. Donc pour moi, à partir de ce moment-là, mon problème avec le président, la supercherie. Parce que à mon fort intérieur, ça, le gibou fait qu'un tenez. Tu as appelé les Sénégalais pour nous voter le référendum le 20 mars 2016. Pour nous dougal fa ben affaire bo xamantane mo lay may nga dem troisième mandat. Ça devient de la trahison. Et ça j'affirme mes propos. Ça devient de la trahison quand même. Ça devient de la trahison. Parce que vous faites qu'entendre da ngay ne dang kay def conseil constitutionnel ne le oui meun nga ko moy que yo da nga nax sénégalais yi. Donc, vous avez voté une affaire parce que vous avez un projet pour vous maintenir. Tu sais, sous ma chalate, même si le président décembre ni le def parce que derrière il y a des appétits, il doit clarifier les Sénégalais et très très rapidement parce que moi, sous ma gis-gis, honnêtement, chalate moi ça. Moi, je suis chalate.
ok xalaat mo xalaat ko dama bëggoon wa ok c'est vrai ay ca yow baro xaritu Paul Biya bi non non c'était parce que